Dis, quand tu viens ici, les gens ne sont pas contents. Amen. Ils ne sont pas contents de te voir ici. Du coup, tu te retrouves bizarre. Perte de mémoire. Tu ne vois plus clair. Tu ne vois plus de menstrues. Quand sa société est tombée, les choses bizarres, quand tu passes maintenant, c'est aux voitures qui prennent sur toi. Il y a des gens comme ça, chaque jour, au moins 5 fois, voitures prennent. Pé, pé, oui! Esprit de mort. Et les gens t'amènent. Les sociaux, oui, là, ils sont amènes. Avant de te tuer, ils vont te terroriser, t'emmerder toute ta patte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand vous venez ici, les gens là, ils ne sont pas contents. Parce que dans la confrérie, chacun doit donner quelqu'un. C'est une tontine humaine. Ok. Si on a donné un instituteur, tu dois chercher un instituteur pour donner. Qui a eu corps habillé? Si c'est gendarme, on cherche gendarme. Maintenant, s'il n'y a pas de gendarme, on cherche un corps habillé. Il y a une dame, ils ont mangé gendarme, ils sont arrivés, c'est eux, pour toi. Là, il est militaire seulement. On dit, il porte pas, il n'a pas pistolet, il n'a pas tiré visible. Oui, c'est pas donné, c'est un militaire. On dit, café, cacao, c'est la même chose. Oh, oui, c'est corps habillé. Ils l'ont mangé. Elle a pleuré jusqu'à elle est venue nous voir. Elle a pleuré. Elle dit, mon fils, c'est fini pour lui. Elle a tué. Elle est venue se repentir pour dire, Dieu mon fils. Parce que les gens étaient prêts à la tuer. Est-ce qu'on s'en est dit? Son fils, pour ceux qui connaissent un peu les actualités, il était le garde, celui qui gardait le palais, la culture dans le temps, qui a tiré une balle dans la tête. Il allait voir soir et faux. Pour dire, je vais me tuer, les gens doivent pardon, quoi, arrêter ta comédie. Et il veut se tuer, il va venir dans un journal pour dire, il va venir me tuer. Quand il est rentré le soir, la dîme balance à téléphone. Ça y est, guéri. Hein? Vous connaissez l'histoire, non? Ouais. Comment il a récupéré sa mère après? Il dit, ma maman veut me tuer. Et après, c'est ta comédie. Et c'est une balance à téléphone. Le sujet il est très sérieux. Ça cause nous. Les gens commençaient à prendre la chose sérieuse. Parce qu'on a commencé à communiquer là-dessus. Vous dites, regardez la sorcellerie. Comment la sorcellerie est en train de détruire nos parents. C'est au bout des lèvres de tout le monde. Et vous ne prenez pas le sérieux sérieux. Non, je n'ai pas l'obligé à cause de la sorcellerie. Vous voyez, c'est amusant. C'est vrai, c'est une réalité. Alléluia, que Dieu nous aide. Aidez-nous à faire reculer le royaume de la sorcellerie. Ma voiture est gâtée. Heureusement, il y a des gens qui ont dit, Winston, on va prendre l'argent. Merci pour ceux qui m'ont aidé aujourd'hui. Merci. J'ai une X5. Il faut 2 millions pour le moteur. 2 millions. C'est au garage. Depuis janvier, c'est en train de pourrir. Amen. C'est en train de pourrir. Vous venez ici, là, si on est équipé, là, on va toujours aller. Souvent, on a envie d'aller dans vos villages. On regarde l'équipement, on n'en peut pas. Quand on te dit qu'il faut payer 4 ans, il dit, station d'essence, je n'ai pas pour Grasso. Je ne vais pas à la station sans vous dire, monsieur, je suis le prophète Grasso qui attrape tous les sorciers de Côte d'Ivoire. Amen. Et puis il a dit, amen. Il met essence. Il a dit, prophète Grasso, là, c'est sans péniel. Ici, là, c'est l'argent pour mettre un cabillaud. Il faut arrêter le prophète Grasso. Je ne sais pas ce qu'on mange ici. Amen. Donc, c'est ce qu'il dit aux gens. Ne voyez pas en fait de Dieu là comme gratuité. Est-ce qu'il dit aux gens, la Bible, vous voyez là, pourquoi vous achetez ça? Pourquoi partir à libérer, vous achetez ça là-bas? Encre, on paye. Papier, vous voyez là, c'est feuille, on paye. Ceux qui fabriquent là, il faut payer un salaire. Quand vous vendez un là, vous logez ici, tant, vous mimerez. C'est vous Djoula ici, c'est vous Djoula. Quand il est fait, vous connaissez les Djoula, qu'ils s'en fichent. Tu n'as pas donné, on te dit dégage. Ça fait 150 000 francs. Ou 10 euros, mais on en paye 150 000. Nous avons dépensé près de 2 millions. Il faut payer le personnel, tout ça. On a des l'argent.
Au moins, il peut faire comme les gens d'Abidjan. Rester à Abidjan, mais ça ne m'intéresse pas. C'est ici qui m'intéresse. Intérieur. Vous vous sauvez. Vous aidez tout le monde. Aidez-nous. Ma voiture est gâtée. Ma voiture est gâtée. C'est bloqué. Oh, voiture qu'on a, on nous envoie, on appelle ça France. Au revoir. Vous comprenez? Ça dit qu'on a déjà roulé pour nous envoyer. Donc comme nous, on roule que c'est pour nous goudre là. Parce qu'il gâte. Quand Blanc te dit au revoir, c'est qu'il a roulé. Ou bien? C'est si on prend. On prend, on dit qu'on a une voiture, on est content. Parce qu'il gâte, c'est gâté. C'est gâté. Imprévu. 450 000. Il fait comment? La voiture est bloquée. C'est le gars de quoi qui a donné dans la voiture hier, c'est resté là. Il fallait chercher l'argent. Je suis là, il m'a appelé. Il dit, ah, je ne peux pas bouger même ma voiture. Mais Dieu sait faire les choses. Va, j'ai confié l'argent. Je n'ai pas pris. Vous dites, je m'en vais. Ceux qui disent, quand la traversée sort, il faut qu'ils cotisent aujourd'hui. Ma voiture est gâtée. Je ne suis pas venu vous emmerder. Vous avez déjà trop de problèmes. Vous pensez comment les sorciers, ils ont déjà fait marché au berger, gombo, veulent vous manger. Certainement, vous êtes là, vous pensez à ça. Ils vont me manger quand au... C'est quel jour? Ils ont déjà fait le marché. Il y a un pied dedans. Il y a si encore. Il y a Tigliti. Donc, je ne peux pas venir se stresser. Le prophète dit sa voiture est gâtée. Ça, non. Amen. Voilà, mais pour dire, il y a des réalités. Ma voiture, j'ai besoin d'une deuxième voiture. La ISPA, le moteur, fait 2 millions. On a quand même une petite voiture, la Laguna. Si on avait cette voiture ici, la Laguna, là, c'est ce qui va vous transporter entre ici et puis vos hôtels. Vous venez ici, on met une voiture à votre disposition. Elle, c'est peut-être elle, ça va vous ramasser pour vous envoyer ici. Il n'y a pas de monde. Amen. Quand vous délivrez, ça, son Ghana vous envoyez l'argent. Comme nous, on ne connaît pas l'argent. Vous comprenez? Oh, l'onction ici, c'est même l'onction. On a l'onction ici pour vous délivrer. Quand vous venez ici, vous trouvez que non, le prophète, même lui, mais il ne doit pas manger, il doit gérer. Et que c'est la bougaine, on doit avoir l'argent. Mais c'est ingrat, c'est pas juste. Mais que Dieu vous fortifie. Notre prière, c'est pas tout le monde aussi qui est ingrat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous délivre, pour que vous puissiez nous soutenir. Soutenons notre ministère. Avant-hier, il y a eu un choc au niveau du cou. La fille grosse. Elle a tué 300, c'est quoi, 200 personnes? Elle m'a enchaîné sur coup. Dans délivrance. Boum. Le lendemain, il y a des problèmes au niveau du cou. Le tsunami, c'était grave. Et c'est quoi? C'est le risque du métier. J'ai choisi de faire ça, j'ai fait. Au prix de ma vie. C'est comme ça le travail de Dieu. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Et qu'il vous délivre et qu'il vous donne les moyens. Il y a des gens qui savent que s'ils ont de l'argent, ils vont me faire avancer. Je connais. Par contre, il y a des gens qui ont l'argent au Ghana. Amen. Bénissez le ministère. Alléluia. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à s'intéresser à ce ministère, moi je le mets dans mon répertoire pour prier pour lui. Voilà. C'est important. Quand tu bénis, Dieu il te bénit. Alléluia. Amen. Quand tu le bénis, il te bénit. Amen. Donc je vais recevoir tout à l'heure. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Où est la petite bénisse? La maman vient ici. Tu es froide. Elle dit quoi? Ça va? Ça m'a échappé, il m'a été gros. Steak. On va prier pour toi. Il fait sorcellerie à Paris. Hein? Oui. Vrai. Oui. Comment on fait sorcellerie? On fait ça comment? On fait ça comment? Je ne sais pas bien, mais je crois que c'est spirituel. Oui, mais explique-nous un peu. Voilà. Monsieur. Hein? C'est toi qui fais primer. Oui? La sorcellerie, c'est pour faire du mal aux gens. C'est pour faire du mal, tu sais quoi, hein? Nous français, c'est trop dur. Tu fais quoi? Du mal aux gens. Il fait du mal aux gens. Oui. Ça veut dire explique.
Vous n'avez pas dit, mais à Paris, il n'y a pas sorcier. Sorcier va venir boire dans tes narines, il va prendre vos peurs pour venir. On est. Et venir là, il va prendre boire du temps. Il me cache pour aller à Paris. Hein? Allons-y. Pour faire du mal aux gens, les détruire, détruire leur vie. Elle explique très bien. Vous faites du mal aux gens, les détruire, détruire. C'est une bonne explication. Ça fait partie de mes écrits. Ce que je suis en train d'écrire. Vous avez vu, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon en sorcellerie? Non. 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 Vous avez le pouvoir? Oui. Et comment vous l'utilisez? Vous l'utilisez pour faire quoi? Pour détruire les gens. Pour détruire les gens. C'est-à-dire détruire les gens? Oui. En quoi faisant? En gâchant leur vie, en quoi? En gâchant des coupes. Des gâchants de coupes. La fille se préfère dans les personnes. Mm-hmm. Comprenez, nous, on a nos Français, ils ont les Français. Ça a gâché, ça ils ont gâté. Nos Français de Dibo, ça a gâté, ils ont séparé deux personnes. Mm-hmm. Tuer les gens. Tuer les gens. Mm-hmm. Hein? Tu tues. Mm-hmm. Et comment tu arranges? Je les étouffe. Ok. Tu les étouffes? Oui. Comment? Je monte sur eux. Quoi? Je monte. Sur tu montes sur eux, et tu fais quoi? Et ils n'arrivent plus à respirer. Arrêt cardiaque. Oui. C'est ça? Oui. Arrêt cardiaque. Oui. Et tu les manges? Oui. Tu les manges? Oui. Tu es méchant. Une bêtise, hein? Tu es né où? À Paris. Ah. C'est pas ça, le coin où il y a les gribots. Pourquoi ça y a les gribots, il y a sorcier. À Paris. Elle, vous voyez comment l'initiation, il doit initier comment? En mangeant. Comment? Qui t'a initié? Ma tante. Sa tante, qui est sa soeur, c'est ça? À la soeur de ta mère, ta cousine. Oui. Elle est venue, sa petite mamie, elle vient chez toi, elle est sortie. Non, non, à couper. Non. C'est nous ceux qui devons filmer, parce qu'on ne sait pas comment vous allez exploiter les vidéos. Elle vient chez sa soeur, c'est sa cousine, tu es sa cousine, non? Tu es ta nièce, ok. Elle vient chez sa nièce, qui est la mère de la jeune fille, comme elle est sorcière, et c'est ça. Le cible, c'est quoi? C'est les enfants. Vous savez, quand quelqu'un vient chez vous, vous devez maîtriser la personne. Or, la sorcellerie, quand ils sont quelque part, ils vont vouloir initier les gens. C'est comme ça, la petite tante de cette dame va initier sa fille. Et quand elle t'a initié, elle a fait quoi? Elle m'a donné de la nourriture. De la nourriture. Et c'était pour quoi? Pour mon goûter. Pour ton goûter. Et mon mission. Oui, elle t'a initié, elle t'a donné de la nourriture. Et t'a chargé une mission. Oui. Laquelle? De tuer ma maman. De tuer sa mère. Et tu as essayé? Oui. Plusieurs fois? Oui. En quoi faisant? En l'attaquant. À l'attaquant. Ou des fois, essayer de l'étouffer. Souvent? T'as des cauchemars. Je l'étouffe, ou des fois, je les prête. Tu les prêtes? Un arrêt cardiaque. Pour qu'elle fasse un arrêt cardiaque? Oui. Mais il n'y a pas comme ça. C'est d'abord, où on fabrique français là? Ça va les quitter. Non, c'est normal qu'elle parle bon français. Où on fabrique là? Ça va les quitter. Ah, c'est bon, c'est là-bas en France, dans la fabrique française. Que la France n'a rien qu'à dire. Oui. Pour nous, on est pour que son cœur s'arrête. Combien? En français, bien en français. Non, il faut que son cœur s'arrête. Tu les ferais pour que son cœur s'arrête. C'est comme ça. En français, bien son français. Et tu essaies plusieurs fois? Oui. Et tu as fait quoi pour cet amour? Tu as fait quoi? Comment ça? Après l'effraiement, qu'est-ce que tu as fait? J'ai couché avec elle. Tu couches avec elle? Oui. Et tu es une fille? Oui. Et comment t'arranges? Je me transforme en garçon. En garçon? Oui. C'est possible? Oui. Comment? En faisant des incantations. Des incantations? Oui. Et qu'est-ce que
Tu as le truc, hein? Oui. Ça sort. Oui. Vous avez tous compris, non? Oui, oui. Ouais. Le truc sort. Oui. Comment? Tu prends du sang humain. Tu prends du sang humain. Oui, je le mets dans ma main. Et où tu prends le sang humain, là? Sur une personne que j'ai tuée. Oui. Je le mets dans ma main. Oui. Je mets le sang sur ma partie intime. Ta partie intime. Oui, et je. Ça, crie... Je n'explique pas ça. Hein. Je ne veux pas expliquer. Vous avez compris. Oui, allons-y. Je crie pousse. Ah, pousse. Oui. Pouh, ça sort. Et ça vaut demi ou émettre. 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 Ah, mais t'es dangereuse. Émettre. C'est comme ça. Kiki pour sortir. C'est pas pour jouer, toi, c'est pour te gâter. Amen. Kiki de sorcellerie. Souvent, on dit, il y a beaucoup de monde. C'est sorcier que j'ai fait. Vous dormez la nuit, vous avez l'impression que vous faites l'amour avec des gens dans le rêve. Excusez-moi, quand vous rêvez, vous êtes mouillé. C'est de la sorcellerie. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il détruit quelque chose en vous. Vous enseignez hier, je dis, avant de dormir, le verset qui est le plus intéressant, le psaume 4, verset 9, je me couche et je m'endors en paix, car toi, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Apprenez ça à vos enfants, s'il vous plaît. Le psaume 4, répétez ça 7 fois. Je me couche, je m'endors en paix, car toi, éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu iras dans l'invisible. Il va même pas te voir. C'est fini. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. Oui, alors? Et tu couches avec elle? Oui. Ta mère? Oui. Tu sais qu'on appelle ça les sexes? Oui. Tu sais ça? Oui. Et tu arrives à faire? Oui. Hein? Tu gagnes quoi? Rien. Rien? Oui. Tu veux la détruire? Oui. Et qui t'a chargé cette mission? Ta tante? Ton père? Mon père. Et tu te rendais plus tard que ton père est aussi sorcier. Oui. Et quand tu vois ta mère, tu n'as pas pitié? Non. Non. Ah! Ta mère, elle te dit rien. Si, mais... Non, mais la pitié n'existe plus dans mon cœur. Non. Tu la vois comme ta femme. Oui. Comme un cabri qu'on doit manger. Mmh. Oui. Mmh. Oui, le cœur. On détruit l'amour. Et la poussa même dans son cœur. Ils vont instaurer quelque chose. La méchanceté. C'est ça qui c'est dangereux. Si vous avez des visiteurs, s'il vous plaît, vous devez vous rassurer qu'ils ne sont pas un danger pour la maison. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Sinon, la présence d'un fautif, un sorcier seulement sur une nuit sur lui, pour détruire tout ce que tu as construit en 20 ans. Une nuit passée seulement sur lui pour détruire tout ça. Amen. Ils ne viennent pas pour s'amuser, ils viennent pour gâter. Les innocents. Mais on a enseigné comment détruire les gens. Et c'est dangereux, c'est ça qui nous fait mal. Des enfants innocents. On les envoie dans les conneries. C'est méchant, hein? Et tu aimes bien la chair humaine? Hein? Oui. Hein? C'est ce que tu as fait grossir comme ça? Oui. Tu aimes bien manger ça? Oui. C'est doux? Oui. On a du moins poulet, braisé, choubouya, elle a trop de poulet. Mange ça bien. Mmh. C'est ce qui te fait grossir. Oui. Tu aimes bien ça aussi. Manger la chair, il est. Oui. N'a pas peur. N'a pas peur.
Non, je ne vois pas ça. Et tu vois pas ça comme quand tu vois ça comme la noix, si, si. Quand tu vois ça comme la grande viande. Vous voyez comme c'est terrible, non? Le sujet est trop sérieux. C'est trop sérieux. Je disais ça aux gens de la tête, je dis, vous parlez, non, menez vos enquêtes, c'est tout. Vous allez comprendre que le sujet là, il est trop sérieux. Non, est-ce que c'est ici? J'ai dit, mais c'est. Mais quand le français dit sorcellerie, là, vous voyez, il a eu matin pour appliquer le nom. C'est bien ça ici qui c'est, non? C'est pas le même matin pour dire, non, les sorciers, vous mangez d'absence en français, c'est pas embêté. Ah, mais tu vois ça? Demandez à un scientifique. Oh, la science croit que l'homme est un esprit, une âme et puis un corps. Demandez à un scientifique, montre-moi l'âme d'une personne, il ne te dira même pas un mot. Pourtant, ils savent que l'homme est composé d'une âme, d'un esprit, d'un corps. Arrêtez de nous blâmer. La société, c'est une réalité. Arrêtez ça. Les gens disent que ça n'existe pas, la société. Si ça existe, et ça oui, mais si quelqu'un venait te dire ce soir que ce que tu es en train de dire, c'est pas vrai, mais pourquoi tu rencontres des saletés? C'est comme vérité. Tu dirais quoi la personne? Alors dans la chambre, on va voir, viens essayer un peu. Hein? Non. Puisqu'il lui discute, tu l'envoies dans la chambre pour dire 2 minutes. Est-ce que c'est bon de voir une personne et tu vois étouffer une personne pendant qu'elle dort? Tu n'as plus d'amour, c'est ça? Oui. C'est ça? Oh, l'homme est trop sacré. Amen. L'homme est sacré. Hein? L'être humain, tu vois, il est sacré. T'as compris? Le diable t'a blagué. L'être humain est très sacré. Ou bien, l'homme est trop sacré, bien aimé. Mais, pour ça que Dieu ne joue pas ça. Quand Caïn a tué Abel, il dit le sang de ton frère. Quelle vengeance. Vengeance. Quand vous versez le sang d'un être humain, vous allez payer. C'est dangereux. Le diable, il est très dangereux. Et tu veux que ta mère soit libérée? Oui. Tu n'as pas envie de manger la chair humaine? Non. Tu voyageais, c'est ça? Oui. D'où à où? De France. Tu prenais Air France? Non. Au concert? Non. Quel avion? Avec des ailes. Tu as des ailes? Oui. À Billon, c'est ça? Oui. Combien de minutes? 30. 30 minutes. Or, Abidjan-Paris, ça fait 6 heures de vol. Mais tu es rapide, hein? Vous avez quelque chose de rapide. Hein? Et tu n'as même pas vu la personne déjà installée. C'est comme ça? Oui. Et quand tu viens en Afrique, donc tu es à Paris? Oui. Et le soir, tu es. Abidjan. Abidjan. Et on te sert un gros plat. Oui. Tu manges. Oui. Quelle sauce? Gombo. Vous la regardez. Et c'est l'Afrique. Chez nous, on appelle ça copé. Embêté. C'est sauce copé. Combien? Chez nous, c'est copé. Comment on appelle ça en guéri? La sauce gombo. Noé. Boé. Boé. La sauce Boé, tu manges d'abord. Oui. Mmh. Tu as vu tes grands-mères? Oui. Tout ça? Oui. Tu te passes sur Paris? Oui. Tu fais la navette toute la nuit? Oui. Tu t'embêtais pas sur nous? Mmh. Non. Tu vois qu'il t'avait un pouvoir? Tu as un pouvoir de double possède, tu peux entrer une personne, c'est ça? Oui. Tu as cette possibilité d'entrer dans une personne.
Tu es là que tu entres dans la personne. Oui. Hein? Je la rangeais comment? Je la regarde. Tu la regardes, tu regardes la personne, oui. 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 Après, je rentre en elle. Tu rentres en elle. Et comment t'anges? Je la regarde longtemps. Longtemps, longtemps. Et après, quand je finis de rentrer en elle, je parle. Tu parles. Oui, je forme sa conscience. En ta conscience, tu rentres. Oui. Dans ses pensées. Enfin, je suis conscient. Oui. Oui, du coup, elle n'est plus elle-même. Non. Elle fait ce que toi tu veux. Oui. Vous avez compris, non? Ah, pourquoi il est? J'ai frappé ma femme. Tu lui viens. Laisse-moi. Là-bas, quand t'as déchiré mes lèvres. C'est pas de ma photo. Laisse-moi, mèche mes parents. C'est fini. Tu vas te finir de frapper encore des gens. Tu dis, mais pourquoi il frappe ma femme? Vous comprenez? C'est dangereux, hein? Le truc. Tu as tout dit? Oui. Tout dit. Oui. Tu as bien posé une main. Il parle. Il parle. C'est-à-dire? Quand on commence à prier, je ne suis plus moi-même. Non, laissons faire les prières. Quand l'esprit en toi, tu es convaincu qu'il y a quelque chose qui est en toi, n'est-ce pas? Oui. C'est comme un esprit. Oui. Mmh. Et qui te pousse à faire des choses que tu ne voulais pas. Oui. Mmh. C'est ça? Oui, c'est ça. Et tu n'as plus l'amour. Christ Emmanuel. Tu veux que je prie pour toi? Oui. Ça va? Oh, ouais, Myriel. Quand je parle, donc, connaisse le pouvoir de la parole. Vous savez, la parole, c'est une puissance. Elle, sa mère et sa victime. Pour attaquer sa mère, vous allez voir que c'est ça, vous utilisez la parole. Vous pouvez l'attaquer avec la parole. Vous faites les choses avec la parole. Donc, non. Et tout va se faire à travers la parole. Or, lui que vous voyez, c'est l'onction. Oh, la Bible dit que l'onction brise le jour. Amen. Quand on va commencer à parler, au travers de cette parole, nous allons libérer totalement, briser ce lien qui les reliait. Pour parler, tu dis, tu lâches ta mère, tout ce que tu faisais dans sa vie. Je libère ma mère. J'arrête de coucher avec elle. Je ne détruis plus sa vie. Je n'emmène plus de disputes. Et je la libère de tout ce que j'ai fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame, au travers de sa parole, une action en ta vie. La Bible dit que l'onction brise le jour. Je libère ton âme, que désormais qu'elle n'a plus accès à ta vie. Au nom de Jésus. Je brise les chaînes même de la captivité. Les chaînes de la captivité. Je proclame la délivrance. Amen. Demain, on verra sa délivrance. Oui. Mais voici que c'est fini. Oh, avec cette action, c'est fini. Mais est-ce que toi-même, tu veux être délivré? Oui. De quoi? De la sorcellerie. Tu es convaincu que tu veux être délivré? Oui. Moi, si je veux que tu sois délivré, pour que tu regardes l'amour. La mère, il y en a deux? Non. Elle est seule. Tu as deux femmes. Pour te concevoir, tu vois? Tu as fait 9 mois. 1, 2, 3. 9 mois. Et 5 ans. La souffrance. Comme la douleur de l'enfantement, la mère a connu entre la vie et la mort. Elle t'engendrait, elle voulait que tu vives. Elle a fourni toutes sortes d'efforts. Poussé, pousse. Et tu es venu au monde. Les calibres, tu comprends? Oui. Donc,
elle mérite pas ça. Je te condamne pas non plus. Mais pour dire, elle mérite pas ça. Ce dont elle attend de toi, l'amour. T'as compris? Oui. Satan t'a blagué. Et tu l'as délivré. Oui. Touche ton cœur. Où se trouve ton cœur? C'est dans le cœur que l'amour est parti. Oui. Tu as quel âge? 11 ans. Oui. Je ne ressens pas ton âge, on a une fille de 18 ans. Et nous aussi, on te donnera 18 ans. Non? Ça, non? Tu as tellement mangé la chair humaine. Lâcher ce corps. Lâche-la. Tu vas quitter ce cœur maintenant. Je t'aime. Tu quittes ce cœur. Le feu sur toi. Il consume tes œuvres. Quitte ce cœur. Quitte. Quitte. Lâche-la. J'explique. Mais ça ne délivre pas de la sorcellerie. Ce sont les aveux, la parole, ok. Mais elle est animée par un démon. Et après les aveux, pour qu'elle soit délivrée de ce démon. Si le démon ne part pas, elle demeure encore sorcière, malgré les aveux. Parce que ce qu'on appelle la possession démoniaque, elle est possédée par un esprit. Tu vas quitter son corps, et maintenant, dans le nom de Jésus. Le feu sur toi. Va. Feu. Feu. Le feu. Le feu. Lâche-la. 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 Tu vas quitter ce corps. Tu vas quitter ce corps. Va-t'en. Va. Va-t'en. Lâche-la. Lâche-la et maintenant. Lâche-la et maintenant. Quitte son corps. Quitte. Quitte. Feu. 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 Le feu dans tout son corps. Le feu. Le feu de Dieu. Consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Lâche-la. 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 Tu vas quitter sa vie. Attends. Tu vas quitter. Quitte. 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 Allez. Le feu sur toi. Tu ne pourras pas résister à l'action de Dieu dans ce corps. Tu vas libérer son cœur. Tu vas libérer son cœur. Et maintenant, lâche-la. Si, lâche-la. Lâche-la, oui, lâche-la, si, 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 tu vas partir, oui, tu vas partir,